Pamela, je vous suis là, c'est la vérité. Je le sais. Attends, mais je te crois, la paix, le truc, je te crois. J'ai jamais dit que c'est un mensonge. En fait, il fait comme si. Comme si je blague. Non, ramasse la paix. Mais voilà, mais Samuel, le truc, c'est que moi, je lui ai dit, on est en train d'essayer quelque chose. On va voir ce que ça va donner. Tu vois un peu? Mais oui. Voilà. C'est ça. Et du coup, on est en train de parler. Je vois pas pourquoi il veut. Il veut. C'est pas parce que je veux dire quelque chose. Moi, je veux qu'on vive quelque chose, genre, naturellement. Les choses viennent. Moi, j'aime bien comment on va pas dire la relation qu'on parle maintenant, là, aujourd'hui. Comment on parle aujourd'hui, c'est pas la même chose que. Quand on parle, on a parlé la première fois, c'est différent, ça évolue, tu vois. Si moi, comme hier, je t'ai pas vu, je t'ai appelé, je te dis, ok, tu es où et tout, tu m'as raconté ta soirée, et j'ai compris, et moi, je pense que c'est comme ça. Ouais, normalement, c'est comme ça. Pourquoi il veut que je monte, moi, j'ai pas envie de mentir. Je vais te raconter une vraie histoire qui m'arrive. Je pense que même quand toi tu n'as pas connu cette personne, mais tous les Haïtiens connaissent cette personne. Cette personne appelle HBB. HBB. J'étais vraiment amoureux d'elle, HBB. Et un jour là, HBB m'a dit tout le temps, c'est trop pressé, attends, il faut attendre la paix, il faut attendre. Un jour, un homme qui appelle Toto Show. Un homme qui appelle Toto Show a venu dans sa vie. Elle commence à maltraiter, elle commence à m'épouser, à mépriser. Elle veut pas me parler avec moi. Je paie là pour cette chose là, ne reviens pas là. Toto a gâté non, tout. Non, ça va pas revenir. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Mettez-vous dans le commentaire, Samila, dans le commentaire à Matou, guys. Est-ce que vous me Mais moi, je ne suis pas comme ça. Arrête de me comparer à quelqu'un d'autre. La paix, t'as fait quoi? À la fin, t'as fait quoi? Dis-moi ce qu'elle a fait à la fin. Je reste seule là. Je fais live, je ne live pas avec elle, je parle pas avec elle, je lui laisse pour ce toto là. Oh, c'est méchant. Je pense que l'amour n'existe pas pour moi. Non, on ne dit pas ça. Non, je te permets pas de dire ça. En plus, moi, je fais beaucoup d'efforts, mais lui, il ne voit jamais mes efforts, tu vois. Il voit jamais mes efforts. On dirait que c'est jamais assez. Tu es sérieux là? Eh, mais je fais beaucoup d'efforts, je parle avec toi tout le temps et tu vois pas que je fais des efforts en fait. Je veux te dire une chose, Amato. La paix. Il y a beaucoup de gens. La paix. Marseille. Tu dois donner un peu de temps à Amato. Ok. En fait, il veut pas du temps, il veut pas me donner du temps, il veut que je mente. Il veut que je lui dise juste des choses. Moi, je suis pas comme ça. C'est ça que HBB me dit tout le temps. Moi, je suis pas HBB ou je ne sais pas. HBB m'a dit attends. Jusqu'à ce que HBB a vu Toto, elle tombe amoureuse de Toto. Moi je foutu là. Mais je fais tout ce live pour grand merci là. Je foutu là. Mais moi, je ne suis pas HBB ou je ne sais pas. C'est pas moi. Que je t'aime aussi. Ramato, parce que tu n'es pas haïtienne. Si tu n'es pas haïtienne dans ma vie, moi. Je ne veux pas haïtienne dans ma vie. Là. Je ne veux pas haïtienne dans ma vie. Là. Non, mais tu n'as pas à dire ça. Mais après, moi, la paix, je ne suis pas comme ça. Moi, juste, je suis aussi quelqu'un. Écoute, moi aussi, si je te raconte beaucoup de choses que j'ai vécu mal, moi aussi, hein, ne pense pas qu'il n'y a que toi. Moi aussi, parce que j'étais pressée dans mes autres relations. C'était comme ça, ça s'est mal fini. Donc du coup, je prends mon temps, j'essaie de connaître quelqu'un avant de me mettre avec. C'est tout. Je ne sais pas que je ne t'aime pas ou que je ne veux pas te connaître. Si je ne t'aimais pas, écoute, hein, je ne m'abonne pas sur toi, je ne parle pas avec toi, je ne t'appelle pas. Je continue ma vie, je peux trouver beaucoup de garçons sur TikTok, même haïtiens si je veux. J'avais même trouvé, tu vois. Ça n'a rien à voir. Juste moi aussi, j'ai vécu mes choses.
sais pas si tu me comprends. T'inquiète. La paix, il faut que tu ailles doucement avec Ramatou. Vas-y doucement. Oui, moi je suis pas HBB, hein. Je la connais même pas en plus. Bon, les gars, la paix, Ramatou, je vous laisse. Je reviens. Ok. elle a raison. C'est normal. Non, c'est normal parce que est-ce que je mens? Est-ce qu'un jour j'étais pas amoureux de HBB? HBB me trompe. HBB m'a laissé pour Toto. HBB m'a laissé pour Toto. C'est pour ça que je dis, je ne veux plus la femme haïtienne dans ma vie là. Je ne veux plus la femme haïtienne de ma vie. Mais attends, moi je te dis quelque chose. C'est pas parce que HBB là, elle t'a fait quelque chose que tu vas dire que tu ne veux pas d'être haïtienne. C'est pas toutes les haïtiennes qui sont comme elle. Je ne veux pas la haïtienne. Je ne veux pas. Ma belle, je vous jure là, ma belle. J'étais en train de pleurer dans la grande public là, au live. Mon live avait 2000 monde, 2000 personnes. Live HBB avait 3000 personnes. J'ai pleuré pour elle. J'ai beaucoup pleuré pour HBB. Car c'est la vraie l'amour que j'étais ressent pour elle. HBB m'a trompé avec Toto. Aujourd'hui là, je dis, oh Dieu, pourquoi je vais y de chance là. Aujourd'hui là, je t'ai vu là. Écoute. Ma belle, arrive à tout le monde, la paix, mais arrête ça. C'est pas parce que tu as vécu une mauvaise histoire avec quelqu'un que ça va se reproduire ou que les femmes haïtiennes elles sont pas bien. Arrête de dire ça. T'as une blessure, mais c'est normal. Mais moi, j'ai eu des blessures dans ma vie. Tu es le docteur là, ou la docteur, je ne sais pas comment dire. Tu es la docteur là qui peut me guérir là, Ramatou. Ramatou, je sens mal. Ramatou, je sens mal. Je suis vraiment triste, Ramatou. Écoute, tu ne me comprends pas. Écoute, moi aussi, j'ai vécu beaucoup d'histoires avant de te connaître. J'ai une vie, tu sais. Voilà. Et avant de te rencontrer, j'avais aussi une relation. Et c'était compliqué, tu comprends? Parce que je suis pressée. Je n'ai pas envie de me précipiter. Tu comprends? Je prends mon temps. J'ai le droit de dire à quelqu'un que j'ai envie de connaître la personne. C'est pas, tu vois? C'est pas parce que je rencontre quelqu'un, je veux juste m'accrocher. Non. J'apprends à connaître la personne. Et les choses se font naturellement. C'est comme ça. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Qu'est-ce que tu veux connaître sur moi? C'est pas comme ça. C'est comme ça que les choses se passent. C'est un processus. C'est comme ça. Ah, moi, j'ai peur que je peux te poser toutes les questions du monde, mais ça sera jamais assez pour te connaître. Je sais pas si tu comprends. On est dans quelle phase là? Pour le processus que tu as dit là, on est dans quelle phase là? Est-ce que je m'assure? On est en train d'apprendre à se connaître. Moi, je dirais ça. On est en train d'apprendre à se connaître. Ah oui? Ok, trust me. Non, promets-moi que tu vas pas me déçus. Promets-moi que tu seras toujours là pour moi. Laissez voir, tu veux dire. Promets-moi que tu seras toujours là pour moi. Promets-moi. Mais la paix, je suis là. Je suis là. Mais c'est pas comme si j'ai disparu ou que je ne te parlais pas. Ok, promets-moi, ma belle. Ok, please, promets-moi. Promets quoi, en fait? Que tu seras toujours là pour moi. Je suis là, et j'essaie d'être là, mais comme tu me forces, je veux pas que tu me forces. Non, je veux pas que tu me forces. Tu veux pas que tu me forces. Je veux que les choses, je les ressente par moi-même. Je veux pas que tu... Non. Tu me laisses, je décide. C'est comme ça. Tu es là pour moi, je serai là pour toi. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis avec les gens qui sont avec moi, hein, toujours. Si tu ne me fais pas de mal, pourquoi moi je vais te faire du mal? Non? Jamais? Jamais. Mais j'ai l'impression qu'il ne me comprend pas, en fait. Est-ce que je parle... Tu me comprends, moi? Oui. Mais je dis, il n'y a pas... En fait, je ne sais pas pourquoi tu as peur, tu te précipites. Il n'y a rien,
on appelle, on apprend à se connaître. Moi, j'aime bien comment les choses sont actuellement. On parle bien, on est bien. Ne force pas, ne cherche pas à... Non, non. Tu vas gâcher beaucoup de choses. Tu comprends? Laisse les choses comme ça. Je suis sûre que ça va aller. Moi, je sens que ça va être bien. Il ne faut pas faire ce que tu fais là. Non, non. Ça va gâcher les choses. Et moi, je pense que comme on est maintenant, c'est bien. On apprend à se connaître, on est bien, on rigole, on s'appelle. Et voilà, les choses vont se faire normalement. Moi, je ne suis pas, je sais pas, moi, je suis pas à la recherche, je ne sais même pas ce que tu penses. Hein. Il y a beaucoup de gars ici sur TikTok, hein, rien à voir. Quand tout le monde qui l'a tapé, quand tout le monde qui l'a tapé, quand c'est... Ok. Yeah, j'ai compris, So... Ne pense pas que moi je vais venir, je sais pas. Je veux que tu me comprennes aussi. Car je ne veux pas que un jour et que tu vas aller comme elle. Zot. Je ne veux pas citer le nom de cette fille là. Cette fille-là. Ne compare pas tout le monde à ton ex ou je ne sais pas, à ta copine là. Non. Tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Tout le monde a sa façon de voir les choses et voilà. C'est ça. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi je vais venir perdre mon temps ici pour après. Tu vois, non. Si je fais ça, non. Je vais forcément te parler. Moi, je ne suis pas comme ça. S'il y a un problème qui me dépasse, je vais t'appeler. Forcément. Ok, merci. C'est ça. Tu me soulages là. So, je vais te dire et la même chose encore là. Amato. Je t'aime beaucoup, Amato. So, je pense que ce mot ne te dérange pas. Non. Tu as le droit d'exprimer tout ce que tu veux, hein, tu sais. Ça me dérange pas du tout. Je ne vais pas contrôler ce que tu as envie de dire. Dis ce que tu veux, tu es libre de dire tout ce que tu penses. Et... Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire demain si tu veux? Ah, demain. Si aujourd'hui je t'ai dit j'avais la grippe et tout, et j'ai pas fait beaucoup de choses que je devais faire aujourd'hui, donc je vais essayer de me réveiller un peu plus tôt et j'ai quelques petits travaux à rattraper vite fait. Voilà, c'est ça. Et je devais aller... Bon, bref, j'ai quelques petits trucs à faire. T'as communiqué avec ta mère? Oui, tout à l'heure, avant de lancer le live, oui, je l'avais appelé. Mais elle va bien, hein, ça va, elle va bien. Tu dis bon. Comment est bon? Aujourd'hui, j'attendais ton appel. Mais je t'avais écrit. Mais toi, tu es occupé. Hein? Hier, tu as allé faire la fête. Mais je te demande excuse. Je te demande excuse, ma belle. Oui, mais tu sais, Moi, hier, non. Hier, mon amie avec qui je fais la fête, elle était malade. Ça m'a dominé beaucoup quand hier je ne parle pas. Non, il n'y a pas de souci. Il y a des jours tu peux être fatigué, il n'y a pas de souci. Même hier, moi, je ne suis pas restée très longtemps. J'ai fait quelques lives, quelques matchs. Après je suis partie vite. Hein, j'ai fait que 3 heures de live, 3 heures, quelques minutes de live. Je ne suis pas restée très... J'ai lancé très tard aussi. Hein. Quand je t'avais parlé là, c'était minuit déjà ici chez moi. Oh, ok, quand tu m'as appelé. Oui, c'était très tard déjà ici, j'ai lancé mon live très tard hier, peut-être à 2h du matin, comme ça. Est-ce que un jour, on va dormir et au téléphone, en train de parler, en train de me communiquer, on va dormir un jour?
Ouais, peut-être, oui. Ouais, moi, quand je suis fatiguée, je dors. Hein, même si je suis en appel, je dors. Ça me dérange pas si tu dors au téléphone avec moi. Ça me dérange pas. Bah oui. Non, mais moi, je dors. Moi, quand on peut parler comme ça, si je suis fatiguée, je peux dormir. Yeah. Un jour, tu sais, j'ai dormi en live ici. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'étais fatiguée le jour là et j'étais couchée sur un oreiller, j'ai dormi sur le canapé, j'ai dormi. Et les gens m'ont appelé pour me réveiller pour que je coupe mon live et tout. Ok, ok. Je bosse et ça va me faire plaisir aussi de dormir avec toi et en train de nous dialoguer un peu. Ça va me faire beaucoup de joie. La belle Ramatou. Ah, ça me gêne quand tu m'appelles comme ça. Donne-moi un petit sourire. Donne-moi un petit sourire. Souris. Ramatou. Souris. J'aime pas sourire. Souris pour moi, Ramatou. Si tu souris, je vais te donner un bisou. Souris. Non, je souris. Coucou Tata. Coucou. Tata, je suis très heureux. Aujourd'hui, je suis très heureux là. Pourquoi? Avec elle. Elle a dit oui. Non, c'est pas encore, mais je lui dis toute la vérité, ce qui m'arrive. Là, Tata, comment tu vas? Tu attends ce jour-là. Quel jour? Ce jour-là que Ramatou va être ma petite amie. T'attends ce jour-là. Elle est ton amie. Elle est ton amie. Je veux ma tata. Je suis son amie en même temps. On se drague. je vais me marier avec elle. Tata, il veut qu'on fasse des bébés. C'est grave. Avoir des enfants. Je vais me marier avec elle. Pour avoir des enfants. Mais c'est pas aujourd'hui. En 2025. C'est en 2025. Je pense, ouais, si j'étais à la place de Salomon, ça me rend plaisir en pile. Regarde, t'as chaud. Beaucoup. Ça. Et elle t'appelle, il t'appelle comment Ramatou? Doudou. si j'étais à sa place, ça me rend beaucoup heureux. Doudou, c'est juste un ami. Qui est ton ami? Aussi, Doudou, c'est mon doudou. Est-ce que tu connais que doudou en anglais c'est poupou? C'est en anglais doudou. Bien sûr, Matata. Doudou. Bien sûr. Quand tu dis I got a doudou, c'est poupou et chat. Oh my god. En créole? Oh shit. Non, en créole, en anglais. En anglais? Ah ben je sais pas. En anglais, doudou, c'est caca.
crabe. Ramato, là, dis-moi. Dis-moi, est-ce que t'as mangé? Oui, mais j'ai pas trop d'appétit, tu sais, j'ai la grippe, je t'ai dit, ça me fatigue. Ah, mais c'est une grippe, ça va, je suis pas malade, mais ouais, non, peut-être. Hein. Non, je ne veux pas, j'aime pas quand tu es récemment mal. Je veux que tu sois toujours en santé, ma belle. Mais j'ai la grippe. Yeah, tu dois aller à l'hôpital, ma belle. Ça me dérange, ça est en train de me dominer là. Tu vas? Tu m'as promis? Mais je vais prendre des médicaments, ça va aller, c'est une grippe, ça va passer. Tu dois mettre le feu, tu as ces grippes. Tu as sa grippe. Tu as ces grippes, tu dois aller à l'hôpital. Oui, Tata, c'est revenu hier encore. Oh oh. Ah, ouais. Samy, arrête, c'est pas gentil ce que tu dis, arrête de le traiter comme ça. Tu dois le muter. Non, c'est mon ami, j'ai pas envie, mais il a dit. Non, pardonne-moi. Je pense que c'est un haïtien. Si tu avais un mot, c'est pas un haïtien, c'est un africain, mais il a dit un truc, c'est pas gentil. Bon, en fait, pour rigoler, mais c'est pas gentil, genre. Ok, ma belle. Ramato, dis-moi, est-ce que tu sais chanter? Non. T'es sûr? Je sais pas chanter, moi. J'écoute de la musique et tout, mais je sais pas chanter. Hein. Tu arrêtes de chanter. Tu dis la perle, la perle, la perle. Hein? Bah non. Hey, c'est quel chant qui est nul comme ça? Ça va pas. Un son qui est nul. La paix, c'est quel son ça? Je sais pas. tu dois créer une chanson pour moi. Mais je suis pas. Je sais pas. Hein. Oza, comment ça va? Oza, comment ça va? Créer cette chanson pour moi. La belle Ramato, tu sais que je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah bah, c'est bon, toi, tu as créé le son, tu peux chanter toi-même, hein, tant qu'on y est. Mais je sais pas chanter. Ah non, c'est pire, c'est encore mieux pour moi. Oh, attends, j'ai l'air de faire ton balai là, c'est Oza, moi, ouais, ok. Et Oza, moi, qui a pété fait commenter, oui, sorry. Bérim, bam, bam. Amala, sorry, ma belle, c'est Oza. Oui, je dois faire le bébé. Ma belle, c'est ma haïtienne. Ma belle, c'est ma haïtienne qui m'a. Pour moi, l'amour, c'est pas réel, là. Je ne veux pas l'amour n'est pas réel pour moi. Je ne veux pas haïtienne de ma vie, là. Ramato,